Le succès est désormais un choix. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà, cette chaîne qui sera toujours pour vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de metaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons d'éducation financière, car nous sommes convaincus que c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir. Entre temps, nous avons également un programme de formation taillé sur mesure en fonction de vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe pour déjà vous enregistrer afin de vous former, afin de recevoir une formation personnalisée en fonction de ce que vous avez demandé, parce qu'il s'agit ici d'être spécifique. Il ne s'agit pas de recevoir une formation d'ordre générique qui doit te bourrer la tête et pourtant tu n'auras pas vraiment l'essentiel. Donc ici, l'intérêt pour nous, c'est de créer des formations personnalisées. Voilà. Et en plus, si tu veux aller encore plus loin, il y a un programme d'accompagnement aussi, voilà, pour t'aider à pouvoir faire face à cette révolution numérique. Donc, c'est vraiment indispensable, donc, les gars, donc, de se former aujourd'hui, voilà, à l'heure de cette révolution numérique qui créera trois catégories de personnes, des milliardaires, des millionnaires et des témoins. Voilà, donc, et n'oublie pas que sur cette chaîne, en général, nous faisons l'analyse technique et fondamentale des projets crypto. Donc, on décrypte. On décrypte, voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Comme le cas de cette vidéo, vous allez voir une pépite qui est encore méconnue de plusieurs personnes, dont on n'en parle pas, mais qui est en train de créer. Il y a des millionnaires, déjà des millionnaires, bref, ceux qui ont vraiment pris des positions assez importantes, voilà, sont en train de se faire de l'argent, ceux qui font ce qu'on appelle les gains à court terme, voilà, sont en train vraiment de se faire de l'argent avec ce projet. Voilà, donc je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à partager afin de permettre à ton frère qui est très très loin d'avoir une idée générale sur les projets que nous partageons dans ce canal. C'est indispensable. Donc je suis de ceux qui pensent qu'il faut partager l'information, les gars. Ne faites pas comme d'autres personnes. Je suis différent des autres personnes qui gardent, ils ont la bonne information et ils gardent cela pour eux. Ils ne viennent pas partager cela sur les réseaux. Donc je suis de ceux qui pensent que l'on devrait partager l'information, les gars. C'est très très important, car en ayant une bonne information, vous avez le pouvoir. Mais toujours est-il dit qu'il faut toujours faire ses propres recherches avant de se positionner dans un projet. C'est très très important, non, les gars, parce que ce que nous publions ici, ce que nous disons ici, nous engage en nous-mêmes. Donc ça n'engage que nous, voilà, parce que vous devez toujours faire vos propres recherches avant de vous positionner. Mais qu'à cela ne tienne, abonnez-vous, partager la vidéo, et je veux beaucoup de likes parce que ça, c'est une pépite qui va te réveiller, ou qui va réveiller certaines personnes, ou qui va réveiller les passionnés de crypto-monnaies. Je répète encore, disclaimer, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo a juste pour but d'informer, d'éduquer et de former. Voilà, libre à tout un chacun de se positionner. Donc voici donc en gros alors le projet Bridget, voilà, c'est un projet qui est lancé depuis 2 août. Voilà, lorsqu'elle a été lancée, elle avait combien de zéros en son lancement? Elle avait on va compter cela ensemble, je crois, elle avait 8 zéros au lancement. Regardez l'évolution du token. Regardez l'évolution du token. Ça, c'est une capture que j'ai fait sur CoinMarketCap. Regardez l'évolution du token ici. Regardez le nombre de zéros qu'elle a brûlé. Du mois d'août, elle atteint son ATH. Je crois, cette semaine-ci. Elle atteint son ATH, je crois, ces jours-ci. Voici son ATH. Voilà son ATH qu'elle atteint. Elle atteint son ATH ici. Voilà, elle atteint son ATH. Voilà, ces jours-ci. Voilà, lorsqu'on regarde le graphique ici, on voit très très bien l'évolution du token. On voit qu'elle a vraiment performé. Regardez le nombre de zéros qu'elle a brûlé. Elle est entrée avec elle-même. Elle est plus vite que le baby doge qu'on parle tous les jours. Et voici les crypto-monnaies qui sont vraiment. Elle est entrée avec 8 zéros sur le marché. Donc actuellement, elle est à 5 zéros. Donc elle a brûlé 3 zéros. Elle a brûlé 3 zéros en combien de temps? Elle a brûlé 3 zéros. Attends, ici, on était en quelle période là? Elle a brûlé tout récemment. Hein. Elle a brûlé.
Quand la poule c'est 3-0 tout récemment, regardez très bien l'évolution du token. Regardez très bien l'évolution du token. Regardez très bien l'évolution du token. C'est très très important, les gars. Parce que ça, c'est juste de faire une analyse fondamentale du projet. Et en même temps, technique. Voilà, je vais d'abord faire. Je vais d'abord sortir d'ici. Je vais d'abord zoomer encore ça. Voilà, je prends mon crayon ici. Regardez très bien. Je prends mon crayon encore. Regardez très bien ici. Regardez l'évolution du projet. Voilà. Donc ça, c'est un graphe que j'ai. Ça, c'est un graphe dont tout à l'heure j'ai fait la capture. Voilà. Je vais vous montrer sur quelle plateforme vous pouvez l'acheter directement. Et nous allons faire une analyse fondamentale aussi très rapidement parce qu'on va pas trop perdre de temps. Voilà, je vais aller sur. J'ai ouvert ma page ici. Ma page a été ouverte. Là, ma page était ouverte ici déjà. Ma page était ouverte. Voilà, ma page était ouverte ici. Parce que ma page qui était ouverte. Voilà, donc je vais donc saisir le nom du token ici. Le token ici, c'est Bridget. C'est pour ça que les gars, vous devez vous abonner. Parce que quand vous êtes abonné, vous êtes toujours informé. Imaginez que vous étiez informé au moment. Moi, je n'avais pas su parce que je ne peux pas tout connaître. Je ne peux pas tout connaître, c'est ça aussi, hein. Je ne peux pas tout connaître. Donc c'est au fur et à mesure, lorsque je fais mes recherches, je tombe sur des pépites. Je viens partager comme ça avec vous. Donc c'est si je suis tombé sur là, sur cette pépite aujourd'hui. Voilà, je suis en train même de regretter pourquoi je n'ai pas connu ça. Pourquoi je ne l'ai pas connu. Pourquoi je n'ai pas connu ce projet depuis. Je suis en train de regretter normalement. Voilà. Donc nous allons faire une analyse fondamentale du projet. Donc on voit très très bien la capitalisation boursière actuellement. Voilà. On voit très bien le volume des champs. Le volume par 24 est quand même élevé. Voilà. Donc on va aller rapidement sur le site. On va aller sur le site directement. Sur le site même. Le site. Voilà. On va voir plus d'informations au niveau du site. Voilà, il faut savoir que c'est un token qui est adossé sur la blockchain Binance. Voilà. Et avec le protocole BEP20. Voilà. Il va aller sur le site directement. Non, avant d'aller sur le site, on va d'abord aller sur l'explorateur. On va aller sur le BSK. On va voir le nombre d'holders que ce projet a déjà. Ce projet a déjà combien de holders? Ce projet a, il a seulement, il a seulement, ce projet a seulement 100, 100, 112 000 holders. Ce n'est même pas beaucoup, hein. Il y a environ plus de 1200 transferts. Ça veut dire qu'il y a plus, il y a eu plus de transactions même que de holders. Ça veut dire que les gens, il y a plusieurs traders qui sont en train de vraiment de se sucrer avec cet argent. Voilà, on voit ici la capitalisation boursière ici est évaluée à plus d'un à peu près à 1 milliard, non, à 130 à 1100 à 1360 milliards. Non, à 1 milliard 300 60, voilà la captation boursière de ce token-ci. Et on voit ici le nombre de zéros. On voit ici le nombre de zéros aussi est de 100. Attends, 1000, 1 million, 1 million de milliards. 1 million de milliards. 1 million de milliards. Donc la captation boursière ici est de 1 million de milliards. Donc il y a des appellations pour ça. Mais bon, moi j'ai oublié comment on appelle encore. Comment on appelle encore ça? J'ai oublié. Donc les gars, dites-moi en commentaire. Je ne peux pas tout me rappeler aussi également. Voilà, mais bon, ça va. Voilà, elle a comme ça 1 million de milliards de pièces. Voilà. On va donc étudier. Alors, on va voir si c'est une pièce déflationniste. S'il y a un programme de burn là à l'intérieur, on voit très très bien. Voilà le site. On va voir le nombre de transactions par seconde pour voir comment les gars évoluent. Ouf! Apparemment, c'est un token qui est prisé. Hein. Je vois que c'est un token que les gars sont en train d'acheter ça en quantité. Actuellement, les gars sont en train d'acheter. Actuellement, il y a beaucoup d'achats. Actuellement, il y a beaucoup d'achats. Donc, nous sommes entrés, nous sommes un peu venus en retard. Hein? Nous sommes un peu venus en retard parce que quand je vois cela, ça me. Parce que quand j'ai vu tout à l'heure le nombre de transferts, déjà avec le nombre d'holders, il y a plus d'un million de transferts. Ça veut donc dire alors que c'est un token qui est vraiment plébiscité, c'est un token qui est sollicité. Vous voyez là, PancakeSwap, 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 PancakeSwap. Ça, ce sont les achats. Et ce sont les transferts. Transferts, PancakeSwap, PancakeSwap. PancakeSwap, 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 PancakeSwap. Voilà. Donc, c'est un token. Donc, tout à l'heure, je vais prendre ça tout de suite. Je ne vais même pas hésiter à prendre cela. Donc, les gars, ne faites pas ce que je fais. Faites vous-même vos propres recherches. Parce qu'il ne faut pas que. Ne dites pas qu'après, c'était monté, c'était descendu. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un conseil d'investissement. Je présente juste le projet. Voilà. Je vais aller sur le site officiel maintenant. Voilà, sur le site officiel, on m'a fait une analyse technique et fondamentale rapide. Rapidement, parce que je vais aller faire du sport. Oui, il est 20h, je vais faire du sport tout à l'heure.
Bon, ici, on dit construisez avec la chaîne de Bridges les frais les plus rapides et les plus bas de l'écosystème blockchain sécurisé et évolutif. Aïe, aïe, ils annoncent vraiment fort. Rejoignez l'écosystème blockchain avec la croissance la plus rapide. Donc, Bridges est une organisation d'ingénieurs cryptographiques qui a construit la blockchain la plus rapide avec la vitesse de 1000. 100 000 transactions par seconde et des frais de transaction proches de zéro. Ouf, ça c'est du waouh. Bridget est la blockchain la plus rapide en 2022. L'écosystème de la croissance la plus rapide avec des projets couvrant la finance décentralisée, les NFT. Oh, waouh, c'est génial. Ça, c'est vraiment web et bien plus et bien d'autres encore. Plus voilà. Donc, Bridget a également développé un portefeuille. Waouh, un portefeuille pris en charge par le BRC20 et BEP. Donc, il y a trois blockchains déjà qui prennent en charge déjà ce portefeuille. Sur Android et sur iOS, Bridget existe sur Binance Smart Chain et sur Bridget Chain. Donc ils ont créé, ils ont leur propre, ils ont leur blockchain. Voilà, alors les partenaires, les partenaires d'échange, ici il y a Get.io. Get.io, je sais pas pourquoi j'ai pas vu cette crypto depuis. On a le site de Get.io directement, donc on peut l'acheter directement là sur Get.io. Voilà, on va aller faire un achat. Donc le projet a été lancé. Le projet a été lancé le 27 août 2020, 2021. Bon, c'est 2021. Nous sommes en 2022, le 27 août. Donc, le 27 août, parce que le 27 décembre, elle était à 3 mois. Non, elle était à 4 mois le 27 décembre. Donc, elle est à 7, disons, elle a 7 mois actuellement. Le projet a 7 mois et il a brûlé 3-0. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Je pense que je vais faire une analyse fondamentale encore bien poussée là-dessus. Je vais juste parachever certains éléments parce que là, je suis un peu pressé. Donc, voilà le blockchain qu'ils ont. Voilà leur plateforme qu'ils ont créée également. Voilà. Oh, ça, c'est un projet qu'il faut vraiment s'asseoir et décortiquer. Voilà. Donc, je fais juste une analyse rapide déjà pour partager. C'est là. Et on voit très, très bien la maille des projets. Donc, c'est, on voit très, très bien ici. On voit très, très bien ici. Bridget Ecosystem fournit des produits de crypto-monnaie simples, rapides, sûrs et sécurisés à faible risque. Plus encore important et hautement sécurisé et anonyme. Aïe, 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 ça c'est du lourd, ça c'est vraiment du lourd, les gars. Ça c'est du lourd. Ils ont vraiment des partenariats, convivialité. Aïe, 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 ça c'est un projet que je veux vraiment m'asseoir. On voit très bien la feuille de route ici. On voit la roadmap ici. On va voir, ils ont pour ambition de 3 000. Ils ont dépassé cela. 3 000. Non, ils ont dépassé cela. Donc, je vais revenir là-dessus parce que là, je suis un peu pressé. Mais c'était juste déjà pour informer mes followers d'un projet que si vous voulez vous lancer, allez faire vos propres recherches et tirer vous-même vos propres conclusions. Voilà. Donc, je vais aller directement sur. Je vais aller directement. S'ils ont été audités, oui, ils ont été audités déjà. Voilà le rapport d'audit. Voilà, c'est un projet qui est propre. Le projet est vraiment propre. Pour moi, le projet est propre. Pour moi, le projet est propre. Le projet est propre. Il y a moyen de discuter rapidement. Il y a même, il y a une, ça c'est même une nouveauté avec la crypto-monnaie. Donc, il y a un chat virtuel. Voilà, que vous pouvez discuter. Voilà, avec, voilà, ça c'est intéressant. Si vous avez des questions, des zones d'ombre, vous posez directement. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais aller rapidement me positionner sans perdre de temps. Je vais aller sur la plateforme Get.io. On va aller prendre position tout de suite. Je vais me connecter sur la plateforme Get.io. Voilà. Et c'est la plateforme Get.io. C'est une plateforme qui me génère de l'argent tous les jours sans rien faire. Parce que mon lien a été utilisé quelque part pour prendre des positions. Voilà. Donc je vais chercher la crypto-monnaie en question ici. Je ne sais pas si je l'avais déjà ou pas. Bridget. Voilà, le voici, c'est Brice. Le voici, c'est USDT, c'est lui. Je n'ai pas ça, c'est lui. C'est cette crypto-monnaie ici. Aïe, 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 ils sont venus en retard dans le marché. C'est ça, hein. Il est allé vite plus que d'autres crypto-monnaies. Il est allé vite même par rapport à Shiba, par rapport à Babydash. Ils sont brûlés 3-0 comme ça. Oh, ça, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant ça.
Voilà. Donc, voilà dans la crypto-monnaie. Donc, on voit très très bien ici, dans le pool de liquidité ici, dans le roi pool de, dans le pool de liquidité, on voit bien, c'est, on voit bien, attends, ça c'est qui a ça? C'est, non, ça c'est qui ça? Non, ça c'est pas, on voit très très bien, ça c'est, voilà les informations qu'ils ont ici, voilà, ça c'est dans, ça c'est déjà, ça c'est les rois déjà, Bridget et USDT. Voilà, donc, voilà, donc je vais. Attends, ils disent quoi ici? Je vais sortir de là. Je vais reprendre position là. Parce que je n'avais pas cette crypto-monnaie ici. Donc, je suis quand même un peu. Je suis passé à côté du bon affaire. Un projet. Et un projet vraiment. Voilà. Donc, ça va. Donc, je vais voir. Est-ce que j'ai des dollars USDT? Je pense pas que j'ai des dollars. Non, je n'ai pas de dollars USDT pour l'instant. Donc, je vais recharger. Je vais recharger. Je vais recharger mes dollars et venir prendre position dans ce projet. Donc actuellement, le prix est ouvert. Il y a actuellement, elle a tendance haussière. Voilà, elle a tendance haussière. Elle a pris depuis ces dernières 24 heures ici. Voilà, donc je vais étudier encore le projet et me positionner. Voilà, donc les gars, c'était juste comme ça pour vous informer déjà. Voilà, j'ai partagé cela déjà sur WhatsApp. WhatsApp, je ne sais pas si j'ai partagé cela sur truc. Je veux voir si j'ai partagé ce projet sur. Attends, je vais voir WhatsApp, il est où? WhatsApp, je pense que j'ai partagé ce projet sur. Attendez, voilà, voici le projet en quelque sorte ici. Voilà le projet là. On voit le projet là. Donc, il a sa blockchain. Il a son exchange aussi également. Donc, ici, il sera bientôt listé sur Binance, sur KuCoin. Et il y a Kraken et OKEx qui proposent déjà de délister. Sans même le demande, voilà, donc c'est les gars, c'est vraiment du loup, c'est vraiment du loup, voilà, c'est vraiment le meilleur, c'est vraiment, voici, l'un des meilleurs projets dans le domaine de la crypto-monnaie actuellement, voilà, donc Bridget demande à Binance et à KuCoin de les lister, tandis que UOB et Kraken et OSK leur proposent de les lister, vous voyez, c'est l'inverse, pendant qu'eux demandent sur Binance, d'autres plateformes demandent de les lister. Parce que lorsqu'on voit la performance de ce token, si vraiment, quand je suis allé analyser cela tout à l'heure, j'ai mis la main sur la tête que moi j'étais où? J'étais où? Ça veut dire que ceux qui sont entrés dans le projet juste avec 100 dollars, ils sont lourds. Hein. Ceux qui sont entrés avec 1000 dollars, tout ça, ils sont lourds. Mais de toute façon, il y a encore 5 zéros après la virgule. Voilà. On va vite prendre des positions parce qu'actuellement, il est en train d'évoluer. Il évolue toujours. Il évolue, il évolue, il évolue. Il est en train d'évoluer vraiment. Donc les gars, c'était juste pour partager ce projet avec vous. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, je reviens encore là-dessus parce que je vais faire vraiment une étude fondamentale, poussée, approfondie là-dessus. Voilà, pour vraiment informer l'opinion. Voilà, pour vraiment informer mes followers. Donc les gars, ce que je vous demande, c'est juste de m'encourager pour toujours vous présenter des pépites comme ça. Encouragez-moi avec des likes, des likes, des likes. Sinon, les prochaines fois, je ne vais plus venir, je ne vais plus faire les vidéos lorsque je vais encore découvrir des. Lorsque je vais découvrir encore des pépites, je ne vais plus faire des vidéos là-dessus. Si je ne reçois pas un maximum de likes. Les gars, vous êtes chiche en likes. C'est pas sérieux. On fait des vidéos depuis. Aucune vidéo n'a encore dépassé 150 likes. Et pourtant, il y a des vidéos qui font les 5000 vues. C'est pas normal. C'est décourageant. C'est même décevant. Je pense que je ne vais plus partager les bons plans sur la chaîne. Si c'est comme ça, vraiment, oh, ça va être du win-win. Donc, vous me donnez, vous likez les vidéos, moi je vous donne des bons plans. C'est comme ça qu'on va foncer de maintenant. Donc, les gars, je vous ai tout donné, je vous ai tout dit maintenant. Allez vous-même faire vos propres recherches. C'est pas un disclaimer, c'est pas un conseil d'investissement. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retournons-nous de l'autre côté. Bye bye.